Eh oui, vous ne rêvez pas. C'est bien la Buzz Family qui est de retour après des d'absence. Nous sommes back. Et je parle pas du compositeur de musique. Et je suis pas tout seul. Y'a Buzz Maestro! Et eh non, il n'y a Et personne Buzz d'autre. Julie, c'est tout. Voilà, et ben on va vous présenter des nouvelles courses créées par Rockstar. En fait, c'est des. Bah, je laisse. Buzz Maestro, c'est pas ce que c'est, il va voir. Je laisse la surprise. Bon, on connaît déjà le classement final. C'est quoi cette voiture? Ouais, il tape pas Fais mal le gars, donc L3, fais Aston tape pas L3, mal. fais L3. Ouah, trop. Fais L3, C'est vite, quoi ça? vite. J'ai fait L3. Oh, énorme. Et là, remets-toi en normal. Bah non. Ah non, en fait, je pensais que c'était. L'autre, il C'est a pas énorme. compris qu'on pouvait. T'as vu, c'est une nouveau. L'autre, il a pas Bah en compris. même temps, si tu le sais pas, comment est-ce que Mais tu veux ça appuyer sur paraît L3? logique. Bah pourquoi En est-ce que plus, t'as il y a appuyé sur marqué. L3? Il y a marqué en plus. Bon, par contre, faut vite le remettre avant de. Oh, je t'ai tracé, bâtard. C'est vraiment stylé quand même. Ouais, Et c'est marrant. sinon ta journée, t'as fait quoi aujourd'hui? Bon, pas grand-chose. Je suis rentré de cours vers 18-19h. Bah, je t'ai appelé. Alors, petite anecdote, les abonnés. Tout à l'heure, j'étais au Carrefour. Donc, j'avais une liste de courses qui a été donnée par ma mère. Et dedans, il y avait barre aux céréales. Alors, j'appelle Yuli. Je suis au Carrefour, j'appelle Yuli. Et Attends, attends, puis. attends, t'es au Carrefour et t'appelles Yuli? Ou t'appelles Yuli et tu vas au Carrefour? Non, j'appelle Yuli et je vais au Carrefour. Voilà. Et puis, il me dit, bon, ça y est, t'as fini? Et je dis, bah non, je trouve pas les barres céréales. Et puis, il me dit, ah, mais je. Bah, vas-y, je t'allais dire ce que tu m'as dit. Bah, en fait, juste avant, j'étais un peu sur les réseaux, j'étais sur le site de Carrefour, parce que. Voilà, le soir quand chez vous, vous allez un peu là-dessus, sur YouTube, vous allez sur le site de Carrefour. Normal quoi. Et j'avais remarqué qu'ils avaient pas reçu leur livraison de barres céréales. Et du coup, je lui ai dit, ouais, ils ont eu un problème de stock de barres de céréales. Et puis au début, je ne croyais pas parce que vous connaissez Yuli, c'est un bon farceur. Et puis au final, bah, il Oh avait non, j'ai raison. fait n'importe quoi, j'ai activé mon truc. Ouais, je suis allé sous l'eau. Franchement, les abonnés, dites-nous ce que vous en pensez, mais je pense que vous kiffez ce genre de vidéo un peu fun, détente, humour. Et sinon, tes chats, tu t'en occupes bien, ils ont bien à manger, Ah non? bah, je devais aussi leur acheter des croquettes, sauf que ma mère m'avait passé 15 balles. Et au lieu de lui Et acheter des croquettes, eh ben j'ai acheté du coca et de l'ice tea. voilà. Sauf que je comptais aussi acheter des croquettes, sauf que les croquettes c'est 7 balles et j'avais pas assez. Du coup, bah j'ai pas acheté de croquettes et j'ai Maltraitance dû animale, les retourner abonnés. après. Maltraitance Non, animale. c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'y suis retourné après avec de l'argent. Qui nous dit que c'est vrai? Ouais! Ah bah moi je vais devoir aller manger. Bah, fini la course. Bah ouais. Parce que je pense pas que les abonnés ont payé pour ne voir qu'une personne. Attention, les plus finis. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de la vidéo dans le foot? Hein? Que l'arbitrage vidéo, que les arbitres vérifient sur les vidéos pour voir les buts Ah! hors jeu ou. Bah, je pense que ça peut être pas mal, mais si c'est utilisé à bon escient, quoi. Ouais, comme Michael Essien. Mais je trouve que ça coupe un. Enfin. T'as un Bah sentiment après, je trouve. d'injustice alors qu'au final c'est l'inverse, mais ça fait bizarre quoi. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je trouve que c'est trop. Le monde devient trop robotisé, quoi. Parce que dans ce cas-là, les arbitres de touche, ils servent à quoi, quoi? C'est ça le truc. Ah, l'enfoiré, il m'a rattrapé juste à la fin. Et voilà les abonnés. Je reste Alors, invaincu. je vais faire une petite dédicace rapidement avant d'aller manger. Donc, grosse dédicace à Tchèque Moussa. Voilà. Moussa qui est parti au championnat de France avec moi à Limoges. Et on était en finale. Ouais! Et on était en finale, enfin en finale en pénalty.
Et Moussa s'est désigné pour aller tirer. Il n'a pas tremblé et il l'a mise. C'est la puissance sénégalaise. La puissance des noix de coco, car il met de la crème dans la noix de coco. Ah, fallait pas le dire. Et bon, bah, les abonnés, attends, je vous dis une petite bientôt. Dédicace. Allez, à bientôt les abonnés. Moi j'y vais. Bon, allez, dégage. De toute façon, on n'a pas besoin de toi. Et voilà les abonnés, nous sommes enfin tranquilles. Nous sommes que tous les deux. Alors moi j'aimerais faire une dédicace à vous savez qui. À Christophe Jallet parce qu'il regarde nos vidéos, ouais. D'ailleurs il m'envoie un message. Salut Buzzuli, merci pour la dédicace. Ça fait plaisir que tu penses à moi. Peux-tu me faire une dédicace dans la prochaine vidéo? Bah Christophe, tiens, je suis en train de te la faire la dédicace. Et du coup, aussi dédicace à Sabot. Et c'est tout. Les autres ne méritent pas parce que ceux qui juste like les vidéos et ne les regardent pas, ça, c'est la gangrène, les gens. Et bah sur ce, est-ce que on ne va pas se dire au revoir? Moi, je pense qu'on va se dire au revoir, mais après la course là. Et je vais faire la fin de la vidéo tout seul. Vous allez me dire si vous aimez bien, parce que j'ai beaucoup reçu de commentaires qui disaient que j'étais un peu voilà l'étoile montante de la vidéo de la chaîne YouTube. Et c'est pas faux. C'est pas faux les abonnés. Et d'ailleurs, j'ai une dédicace à faire à Christophe Jallet. Et d'ailleurs, il vient de m'envoyer un message. Salut Buzzuli, je regarde toujours tes vidéos. Est-ce que tu peux me faire une dédicace dans la prochaine vidéo? Bah tiens Christophe, je suis en train de te la faire ta dédicace. Et voilà les abonnés, je pense qu'on va lancer le début de la course. Et si ça paraît un peu trop long, et ben vous savez quoi, on l'arrêtera. Et oui les abonnés. Et d'ailleurs, attendez, j'ai une dédicace à faire pour, et si vous pensez que je mens, Christophe Jallet, et d'ailleurs, il m'envoie un petit message. Salut Buzzuli, c'est Christophe Jallet. J'allais juste te faire demander de me faire une demande dédicace. Mais je vois que t'as d'autres trucs à... Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je vois que t'as d'autres préoccupations. En ce moment, je sais pas ce qui te prend. Mais t'es plus comme avant. Tu fais trop le gars. En message, tu parles mal. En face de... Quoi? Mais qu'est-ce... Attendez, je l'appelle. Ouais, allô Christophe? Ouais, c'est quoi le message que j'ai reçu là? Comment ça? T'as perdu les pédales ou quoi? Ah, c'est le soleil qui a trop tapé sur ton crâne chaud? Bon, il a raccroché. Bon, bah, les abonnés, hein. Allez, j'avais une dédicace à faire. C'est pour Sabot. Eh oui. Pensez que je... Oh, regardez ça. C'est les nouvelles courses, les abonnés. C'est les nouvelles courses. Vous allez voir, c'est un peu le bordel au début. Attendez, ça bug. Voilà. C'est le bordel au début. Mais regardez ça. C'est pas magnifique. Ça me fait penser à moi quand j'étais jeune. Avec ma petite Renault que j'avais un peu custom dans le garage de mon grand-père. Oh là là. Ah voilà, et voilà les abonnés. Ah j'ai de la chance les abonnés. Bon, je vais pas faire toute la course, sinon la vidéo va durer au moins un certain temps. Et dédicace à Nathan Marez, un grand rappeur. Un grand rappeur, voilà. C'est l'étoile montante du rap, hein. C'est peut-être... Voilà, ça fait plaisir de faire des courses comme ça. Bon, la course n'est pas censée être comme ça, mais bon. On va la finir comme ça. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez passé un bon Noël? Parce que c'était Noël il n'y a pas longtemps. Eh non, je rigole. Vous êtes tombé dans le piège. Et c'est bien. N'oubliez pas que lundi prochain. Non, je rigole, lundi prochain, c'est les vacances bientôt. C'est les vacances.
Et du coup, les abonnés, dites-nous dans les commentaires si vous aimez cette vidéo, le nouveau concept de vidéo là. Attendez, on me dit dans l'oreillette que les vidéos n'ont pas du tout changé, que c'est exactement le même concept. Sauf qu'on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas d'oreillette. Mais comment me dire dans l'oreillette que je n'ai pas d'oreillette si je n'ai pas d'oreillette? Et oui, les abonnés. Deuxième, quand même, les abonnés. Mais je pense qu'on va arrêter la vidéo maintenant parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Et bien, sur ce, premier, les abonnés. Premier, est-ce que vous êtes fiers de moi? C'est pas Buzz Maestro ou Buzzkill ou bon Buzz Dark. Même rien que dire son nom, je pense que ça va vous faire rigoler. Et bien, les abonnés. Les perfectos, on en a marre. Les petites vestes en cuir, c'est fini. Place à l'été. Et place au beau soleil. Ça fait plaisir. Petite sucette. Allez, salut les abonnés.